crochet, Big D. Salut, Big D. À la même heure demain. Alors, Big D, t'as encore frappé un môme de 10 ans? Moi, au moins, je ne pleurniche pas en dormant. Ne tuez pas Cédric! Bouh! De quoi est-ce que tu parles? Hé! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien du tout! Oh non! Arrête ça! Spero Patronum! Spero Patronum! Un danger pour le monde des sorciers? C'était de la légitime défense. Comment ça va, Harry? Je vois que les autres membres de l'ordre t'ont ramené sain et sauf. Une fois ses bagages prêts. À plus tard, Harry. Oui, merci, Tonks. Qu'est-ce que t'as fait cet été? Je me suis ennuyé. Pendant que vous vous amusiez ici au QG de l'ordre. On ne s'est pas vraiment amusé. On a surtout fait du ménage pour maman. Madame Weasley a une sorte de passion pour le ménage. Tu veux bien m'aider? Je dois placer tout ce qui est dans la pièce contre le mur pour que maman puisse nettoyer le sol. Tu sais, Harry, tu n'es plus chez les Dursley. Tu peux utiliser la magie. Je te conseille les sorts Axio et Repulso. C'est pratique, mais je n'ai pas appris ces sorts. Observez-moi. Commençons par le sort Axio. Je vais te montrer sur cette chaise. D'abord, il faut viser la chaise. Ensuite, bouge ta baguette comme ça. Puis prononce Axio. Axio! Axio! Ça y est! Bon, montre-moi à nouveau. Axio! Tu dois viser, faire ce geste avec ta baguette et prononcer Repulso. Repulso! Repulso! Bien joué, Harry! Passons ensuite. Repulso! Donc on doit mettre là-bas tout ce qui se trouve ici. C'est ça. Merci. Maman me laissera peut-être souffler 5 minutes. Tu as vu Ron? Ou Hermione? Maman a mis tout le monde au travail. Ils sont quelque part. Allons les chercher. À plus tard, Ginny. Alors, ces vacances? Les tiennes ont sûrement été plus amusantes. Moi, j'étais coincée chez les Dursley. Dumbledore nous a fait jurer de ne pas t'écrire. Il pensait que ça valait mieux. Il était furieux quand il a appris ce qui s'est passé avec les Détraqueurs. Si je n'avais pas dû rester chez les Dursley, ça ne serait pas arrivé. Molly t'a confié des tâches ménagères à toi aussi, Hermione? Je dois réparer ça. Alors nous allons t'aider. Le sort qu'il nous faut, c'est un réparo. Tiens, regarde-moi. Vise bien ce qui est cassé. Ensuite, bouge ta baguette comme ça et dis réparo. Réparo. Réparo! Très bien. Réparo l'objet suivant. Attends, je vais te donner un coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Détraqueurs? Je te croyais en sécurité chez les Moldus. Une chance que Lupin t'a pris le Patronus. Ouais, tu parles d'une chance. Je vais sûrement me faire renvoyer de Poudlard pour avoir empêché un Détraqueur de m'embrasser. Tu seras très vite de retour à Poudlard. Pas sûr, vu le temps que je mets à faire mes bagages. On va te donner un coup de main. Le Wingardium Leviosa est un sort pour soulever. Regarde bien. Vise les vêtements avec ta baguette, puis fais ce geste.
Wingardium Leviosa. Une fois que les vêtements flottent dans les airs, tu peux les déplacer comme ça. Pour poser les vêtements dans le coffre, tu brises le sort. Wingardium Leviosa! Bon lancer! Bravo, Harry. Bon lancer! Merci. Je ne sais pas comment j'ai pu mettre autant de pagailles. Wingardium Leviosa. Pratique pour déplacer des choses. Et garder ses distances avec les chaussettes de Ron. Hermione a étudié la question. Ils ne peuvent pas te renvoyer. Ah ouais? Qu'est-ce que ces détraqueurs faisaient là? C'est une très bonne question. Je dois... Bonsoir. Tout le monde vous attend. Venez avec moi. C'est Dumbledore? On pense à la même chose? Nous avons la cape d'invisibilité, mais monter la garde est de plus en plus difficile. Vous savez l'importance que Voldemort lui accorde. Nous devons trouver un moyen. Qu'est-ce que tu entends? Voldemort est à la recherche d'une arme. Peut-être une chose qui peut tuer beaucoup de gens. Chut! La réunion est terminée. Vite, tous au lit avant que maman nous surprenne. Quel que soit ce truc, j'espère bien qu'on l'a. Ouais. Presque. Presque. Là, Harry! Salle numéro 10? Le magot de Maggot au complet? Pour une simple infraction? Silence, silence! Que les partisans d'une condamnation! Nous accueillons notre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Le professeur Dolores Ombrage. Qui... Merci, cher directeur. Le ministre de la magie a toujours accordé une importance primordiale à l'éducation. Le progrès pour le progrès ne doit pas être encouragé. Il faut trouver un équilibre. C'est une amie de Fudge. Elle était au tribunal. Préserver ce qui doit C'était être très éclairant. Et c'était une sauce insipide, mais avec des ingrédients importants. Merci, professeur Ombrage. À vous et à tous les nouveaux, bienvenue à Poudlard. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mes faits accomplis. Tu ferais bien de monter. Hermione va râler si t'es en retard. Les gens ne soutiennent les tornades que depuis leur victoire en championnat. Allons à la salle commune. Mieux vaut éviter de faire attendre Hermione. Ah, oh, tu as fait une découverte, Harry. Mémie, j'ai trouvé quelque chose. C'est la définition d'une découverte. Il y a des objets à découvrir un peu partout dans Poudlard. Tu devrais les chercher. Tu vas voir qu'on va trouver une autre chambre des secrets. Pleine d'araignées cette fois. Pas des araignées, des objets spéciaux. Extrêmement rare. Tu veux dire qu'il y a vraiment une autre chambre? Pas une chambre, plutôt une salle. Je l'ai trouvée en me cachant dans les tuyaux. Chaque fois que quelqu'un fait une découverte, des objets secrets et extraordinaires y apparaissent.
Super, elle est où cette salle des récompenses? Mais bien sûr, demandons à Mimi. Mimi nous dira tout. Eh bien, c'est un secret. Il faudra la trouver vous-même. Salut. Voilà Neville. Ne pointe pas ta baguette sur moi. On dirait qu'il a des ennuis. Pointe ta baguette sur eux. Hé hey. Vous croyez nous faire peur? Ron. Je le dirai à mon père. Rangez vos baguettes. Brevet universel de sorcellerie élémentaire. Buse. Travaillez dur et vous serez récompensé. Si vous échouez, les conséquences pourraient être dramatiques. Rien n'est indiqué au sujet de l'utilisation des sorts de défense. L'utilisation des sorts. Je ne vois pas pourquoi vous utiliseriez des sortilèges de défense. Je sais pas trop. Peut-être parce que Voldemort est de retour. C'est un mensonge. Je ne mens pas. Je l'ai vu. Je l'ai affronté. Retenu, Monsieur Potter. Ce soir, dans mon bureau. Bien. Tout le monde au premier chapitre. Principe de base à l'usage des débutants. Passionnant. Ne pas pratiquer les sorts en année de buse, c'est incroyable. Alors c'est ça qui t'énerve, alors qu'un professeur m'a traité de menteur devant tout le monde. On pourrait demander à Fred et George. Ils ont déjà suivi les cours de défense de 5e année. Fred et George? Ils ne savent que s'amuser, pas faire de la magie. Peut-être, mais on n'a rien à perdre à essayer, non? Allons les voir. Regarde ta carte, on les trouvera dessus. Si tu veux progresser en sortilège, tu peux toujours aller voir le professeur. On peut passer dans sa classe après. Salut. Tu as vu le dernier match de Crab? Ils sont là. Bonjour.
Bonjour les préfets. Vous venez nous surveiller ? Nous demandez quoi, Harry ? C'est Ombrage. Elle refuse de nous enseigner la pratique des sorts de défense contre les forces du mal. On sait. Donc tu veux notre aide ? T'en penses quoi, George ? Je crois qu'avec ces débutants, il faut reprendre les bases. Sortez vos baguettes ! Alors, un bon ennemi est un ennemi sans baguette. Montre-nous, George. Avec plaisir, Fred. Bon, soyez attentifs. Expelliarmus ! Superbe, George. On croirait presque que tu écoutes en classe. Bon, à ton tour de lancer, Harry. Expelliarmus ! Excellent ! Bon, montre ça aux deux autres. Ça y est ! T'as compris ? Bon, Expelliarmus, c'est fait. Mais pour ôter le sourire de la bouche d'un serpentard, rien de mieux qu'un bon vieux stupéfix, comme Fred va le démontrer. Stupéfix ! Pas mal. Bon, à ton tour de lancer, Harry. Imagine que je suis Malfoy. Stupéfix ! Ça y est, t'as compris ! Tu cherches tes ennemis, Potter ? Bonsoir, Monsieur Potter. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Oui, pour avoir dit la vérité. C'est moi qui décide de ce qui est vrai. Je ne dois pas dire de mensonge. Qu'est-ce que tu as sur la main ? Je croyais qu'Ombrage te donnait des lignes. Parlons-en, Hermione. Elle saura sûrement comment soigner ta main. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Méfait accompli. Il y a un passage derrière un des portraits qui se trouve au deuxième étage du grand escalier. Bonjour, vous gardez un passage secret ? Tiens, tiens, un esprit curieux. Votre déduction est exacte. Je défends en effet un tel passage, mais je ne permets qu'à ceux qui ont l'esprit vif d'y entrer. Vous parlez d'un test ? En effet, je veux que vous m'aidiez dans mes recherches. Vous devez trouver un élève de Serdaigle de première année et découvrir d'où venait Rowena Serdaigle. Une tâche simple, mais néanmoins instructive. Il y a un passage secret ici. Silence ! Qui va là ? Harry Potter. Ah, un brave garçon. Mais seuls les élèves de Poufsouffle, ou ceux qui ont le mot de passe, peuvent entrer. De Poufsouffle ? Bon. Hey, est-ce que tu... Oui. Professeur McGonagall, je crois qu'elle est devant. Et... F de dragon. J'ai appris que vous aviez aidé un membre de la maison de Poufsouffle. Vous méritez une récompense, Monsieur Potter. Une belle journée pour s'instruire. Rowena Serdaigle venait des sommets. Excellent. Je maintiens ma confiance en la maison de Serdaigle. Je dirais que vos efforts méritent un O pour optimal.
Le passage vous est ouvert. Dorénavant, dites simplement « Succès studieux ». Succès studieux. Un esprit curieux est un esprit sain. Alors, on s'amuse bien ? Le livre qu'il me faut est quelque part par ici. Le voilà, là-haut. C'est ce livre qu'il me faut. Et comment on fait pour l'atteindre ? McGonagall ne nous a pas encore appris à nous transformer en oiseaux. Quelqu'un a un filet ? Wingardium Leviosa ! Attention, il bouge à nouveau. Vous allez bien ? Une journée pour apprendre. Succès studieux. Vous pouvez passer, Monsieur Potter. Bonjour. Encore en pleine aventure. Œufs de dragon. Passez, ami de Poufsouffle. Vous allez quelque part ? Tu peux venir voir le professeur. Allez. Incendio. Mince. Incendio. Très bien. Essaie sur une autre. N'allumez pas les lampes, j'ai mal à la tête! Oh, c'est toi, Harry. Tu avais promis que tu viendrais me voir. Salut, Mimi. Ce livre est vraiment très utile. Sirius? Alors Ombrage vous cause des ennuis? Elle veut pas qu'on pratique la magie. C'est parce que Fudge pense que Dumbledore utilise Poudlard pour entraîner une armée. Oh, quelqu'un arrive. Désolé, je dois décoller. Mince alors. Super. Voldemort se prépare et Fudge lui donne un petit coup de main. Comment on va empêcher ça ? Nous devons être capables de nous défendre. Et si Ombrage refuse de nous apprendre, il nous faut un autre professeur. Qui me voudrait comme professeur ? Faire ce genre de choses dans la vraie vie, c'est pas comme à l'école. En une fraction de seconde, on peut se faire tuer. Ou on peut voir un ami mourir comme ça, sous ses yeux. Tu as raison, Harry. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Il faut que tu nous dises comment c'est d'affronter Voldemort. Ils ont tous signé. Hé ! Vous en bas ! Il faut trouver Neville. Allons chercher Neville. Neville a dit qu'il serait dans la serre de botanique. Retrouvons-le là-bas.
de dragon. Que votre courage perdure. Quelqu'un d'autre ? Très bon ! C'est ça ! Recouvrez-le ! Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi m'ont-ils accroché ? Oui, oui ! C'est scandaleux ! J'ai demandé une salle avec vue et on m'a mis ici ! Merci, merci ! Il est des leurs, j'en suis certain ! Entrez vite, allez ! Dorénavant, dites fichu espion ! Continuez, on en a eu au moins la moitié. On a réussi. Il en reste à l'intérieur. On n'a pas terminé. Allez, on a presque atteint la porte. Continuez. Ok, Harry. On y est presque. Ok. Enfin, on passe à la porte. Viens, Harry. C'est au 7e étage. C'est formidable! On dirait que Poudlard nous pousse à nous battre! Nous n'avons plus qu'à aller voir les autres pour leur dire où se trouve la salle. J'ai mis la liste des membres de l'année sur le panneau d'affichage. Comme ça, on sait qui on doit encore prévenir. On les trouvera avec la carte du maraudeur. Cherche un membre de la D et on ira le chercher. J'essaie d'apprendre le sort Protego, mais je n'y arrive pas. Tu veux bien nous montrer ? Oui, Neville, pas de problème. Tu as le livre de sort, Hermione ? C'est vrai que c'est difficile. Voyons si le livre donne des conseils. Bon, on pointe d'abord sa baguette, puis on fait ce geste. Protego ! Protego ! C'est bon, Neville, je te montre. Fais comme moi. Protego ! Tu fais vite. Super ! Encore une fois et je l'aurai mémorisé. Montre-moi encore une fois, Harry. Stupéfie ! Regardons la liste pour voir qui chercher ensuite. A confisqué des bouteilles à Fred et à George. Ruzard croit qu'il s'agit de filtres d'amour. Pourquoi Fred et George ont-ils des filtres d'amour ? Ce ne sont pas des filtres d'amour, idiot. C'est du venin de Doxy pour les boîtes à flemme. Il faut qu'on récupère ces bouteilles ou Fred et George seront renvoyés. Elles sont dans la réserve d'ombrage. Harry, tu peux utiliser ta cape d'invisibilité pour les récupérer ? Pas de problème, je vais la chercher dans le dortoir. Hé ! Vous en bas, vous m'écoutez ou quoi ? J'adore cette cape. Bon,
N'oubliez pas qu'il faut être discret. Donc, pas un mot, Ron. Moi ? C'est plutôt toi qui peux pas tenir plus de 20 secondes sans crier après quelqu'un. Il ne faut pas lancer de sort tant qu'on est là-dessous. Il n'y a pas assez de place. On pourrait nous voir. Aïe ! Attention! Ce sera bientôt les vacances! Attention! Aucune chance qu'on gagne la coupe cette année. On va avoir l'entraînement des poufs. Peut-être. J'espère qu'elle nous fera plus nettoyer de vases. Ouais, encore un seul vase et je vais être malade. Comment va-t-on faire pour passer ? Il faut détourner leur attention. Réussir à les éloigner. Ombrage sera furieux. Vite ! Attention ! Oh non ! Ah. Attention ! C'était quoi ça ? Ah. Y'a quelqu'un ? Vous avez vu ça ? Difficile à croire qu'il reste encore des choses à confisquer. Comment on va trouver les bouteilles ? Action venin de Toxie ! Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Maintenant, filons d'ici ! Attention ! J'espère qu'Ombrage interdira tous les clubs au prison. On ne doit pas lancer de sort tant qu'on est invisible. C'était cool. Ici, près de la porte. Succès, studieux. Un esprit curieux est un esprit sain. Bonjour. C'est une très bonne journée. Oh, super. Zacharia Smith. Oui, il est au courant pour l'AD. L'AD se réunira tout à l'heure. Pas possible pour moi. J'ai trop de devoirs à faire et mon travail scolaire passe en premier. Tu peux comprendre ça, non ? Bien sûr. Et si on t'aide à faire tes devoirs ? Est-ce que tu viendras à la réunion ? Quoi ? Chut ! Peut-être. Mais il me faut un exemplaire du monstrueux livre des monstres. Ok, on va te trouver ça. Pas de problème. Hermione ! Trouvons le monstrueux livre des monstres. C'est le bon secteur. Le monstrueux livre des monstres doit être par ici. Voilà le livre. Bien joué, Harry. Allons le donner à Zacharias. Tiens. S'il continue, c'est lui qui va finir à l'infirmerie. Ça va ?
bosser en sortilège, tu peux toujours aller voir le professeur. Oui, on peut passer dans sa classe après. Salut Harry. Salut. Pourquoi m'ont-ils accroché ici? Wingardium Leviosa! C'est le devoir d'histoire de... Je crois qu'il y a une gargouille qui parle près d'ici. Vous... Ça fait une gargouille. Salut Padma. Parvati. Vous pourrez venir à une réunion de l'AD tout à l'heure? Eh bien, c'est qu'on doit aller voir le professeur Trelawney. Elle va interpréter un de mes rêves. Ah, et après, vous pourrez venir? Je sais pas. Rejoins-nous en divination et on te le dira. Salut. Salut. C'est Michael Corner, non? Salut. C'est vrai qu'il y a une réunion de l'AD? Il paraît que t'as trouvé un endroit pour qu'on puisse s'entraîner. Quoi? C'est censé être un secret! Du calme, c'est Neville qui l'a dit à Ernie et Ernie me l'a répété. On se retrouve là-bas alors. Ouais, d'accord. Je sais pas si Terry et Anthony le savent, il faudrait leur dire. Moi je le dirai à Ginny si je la vois. Salut. Salut Anna. Qu'est-ce que tu fais? Je dois réfléchir. Me souvenir. Oh, j'aurais jamais fini mes révisions. On peut au moins t'aider dans une matière. On a notre première réunion de défense contre les forces du mal. Une réunion? Mais Ombrage a interdit les clubs. Elle nous verra y aller. Je raterai mes buses, je serai renvoyée, on sera tous renvoyés. Tout va bien. On va utiliser un passage secret pour se rendre à la réunion. Ah bon? Il est où ce passage? On te le dira. Viens, Harry. Bon, on n'a plus qu'à trouver un passage secret vers le 7e étage où Anna ne viendra pas. Il y en aura bien quelque part dans le grand escalier. Allons voir. Excusez-moi. Quelqu'un? Hermione? Hermione, c'est Angelina. Des serpentards ont saccagé la salle des trophées et attaqué Ruzard. Je suis enfermée! Il faut la faire sortir. Si Ruzard la trouve, Ombrage va priver Gryffondor de Quidditch pour toujours. Et ce serait la fin du monde, n'est-ce pas? Bon, trouvons un moyen de faire sortir Angelina. Wingardium Leviosa! Entraîner sans nous le dire. Si seulement j'avais ma baguette. C'est ça, continue. Ça y est, Harry, on a presque fini. Réparons! Besoin d'aide? Réparons! Allez! Je vais t'aider.
Bruzard peut arriver à tout moment. Elle est ici. Je te tiens. Il y a un problème, monsieur Ruzard? Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vous ai tous à l'œil, petit monstre. Voilà Suzanne. On devrait aller lui parler de la salle sur demande. Qu'est-ce qu'il fait avec Crabbe et Goyle? Tu te prends pour une reine parce que ta tante est au ministère? Mon père dit que ta tante est une fouineuse. Il faudrait lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai la meilleure. On vous cherchait tous les deux. On a trouvé un endroit où l'AD peut s'entraîner. Vous ne faites rien d'interdit au moins. On n'oserait pas, n'est-ce pas Fred? Pas avec tous ces préfets dans le coin. On est juste en train de ranger des objets qui pourraient troubler certaines âmes sensibles. Comme Ombrage ou Ruzard, tu veux bien nous aider? Il nous faudrait quelqu'un là-haut, dans le hangar. On te passe les boîtes, et toi, tu les mets dans les bateaux. Ce serait super sympa. Et voici Harry Potter. Il franchit la ligne de départ, il escalade les échelles. Il faut soulever les bâches des bateaux. Mets les boîtes dedans et couvre-les. Ensuite, tu remets la bâche. Et c'est mission accomplie. Bon Harry, on va te passer les boîtes. Mets-les dans les bateaux. Génial. Et voilà. Cool. Wingardium Leviosa. C'est bon. Ça va être formidable. Ça y est. T'as tout compris? Ouais. Ça y est presque. Continue. Bon. On savait qu'on pouvait compter sur toi. C'est bon. Génial! Action! Super! Maintenant, couvre la boîte avec la bâche. Génial! Allez, redescends! C'était formidable! Merci, c'est sympa. Merci.
Vous croyez qu'elles sont toutes cinglées? Regarde Potter. Ses seuls amis sont le roi Ouistiti et une sangbourre. Une chance que le choix paume est envoyé à Serpentard. Après mes études, j'entrerai au ministère. Qu'est-ce qu'il fait, Colin? Salut, Colin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai voulu prendre une photo d'élèves de Serpentard en train d'embêter un première année, mais ils ont lancé mon appareil sur le toit. Ne t'en fais pas. Harry va te le récupérer. C'est vrai? Merci, Harry, c'est génial. Il est là-haut, comment tu vas t'y prendre? Ça va être super, j'en suis sûr. Qui a bien pu planter tout ça? Un peu d'aide, Harry? Wingardium Leviosa! Incendium! Incendium! C'est pas une plante qui va arrêter Harry. On forme une super équipe! Wingardium Leviosa pour nous le faire passer. Je l'ai. Merci, t'es le meilleur, Harry. Fais attention, descendant, Harry. Quand je dirai ça à des... Qu'il a mangé trop de choco-grenouilles. Et son frère est... Oui, bon, mais au moins il croit Harry. Il nous faut un maximum de gens dans notre camp. Et deux, trois, plus que deux. Je me demande où elles sont. Je crois qu'elle est devant sa salle. Ah, être jeune à nouveau. Une belle journée pour s'instruire. Super, il ne nous en manque. De la potion Wiganveld. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On s'en fiche. On va à l'infirmerie et on en va. Voilà, retournons à la bibliothèque pour donner ça à Zacharias. C'est Anthony, non? Allons lui parler. Serpentard a toujours été au-dessus des autres. Voilà Terry. On devrait aller lui parler de la réunion.
Je crois qu'on devrait aller dans la salle. Tu te risques. On a étudié des moldus maintenant. Je me demande ce qu'on va y apprendre. Voilà Ernie. On ne lui a pas encore parlé de la réunion de l'AD. Ernie, on a trouvé un endroit où l'AD peut s'entraîner. Désolé, je ne peux pas venir. Je dois d'abord terminer mon devoir pour Rogue. Vous avez fini le vôtre ? Lequel ? Vous savez, on doit trouver les ingrédients pour la potion de demain. Oh, Harry, tu ne les as toujours pas trouvés ? Et quand est-ce que j'aurai eu le temps ? J'ai tous mes autres devoirs, les retenues d'ombrage et notre entraînement de défense contre les forces du mal. Pas la peine d'être aussi agressif. Bon, trouve 5 Molly et une racine de mandragore. Moi, je me charge des autres ingrédients. Et où est-ce que je suis censé trouver tout ça? Le professeur Chourave a des mandragores dans la serre de botanique et les Molly poussent dans le parc du château. Il n'y a qu'à les chercher. Elle sait vraiment tout sur tout. C'est Molly, machin truc. Ce n'est qu'un Molly, Harry. Il en faut 4 autres. Ah, c'est ça, un Molly. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma potion au dernier cours, alors? Ron, pas étonnant que ta potion soit devenue orange. C'était mieux que Goyle. Lui, il a fait un gros trou dans son chaudron. Je suis sûre que le professeur Chourave a dit qu'il y avait des Molly par ici. Bien, il ne nous en manque plus que 3. C'est Molly, machin truc, Harry. Génial, Harry. Il ne nous en manque plus que 2. Même si Harry et moi, on n'a pas pris arithmancie, Hermione, on sait compter jusqu'à 5. Salut Harry. Oh, salut Harry. Tu vas bien? Oui. Alors, Gryffondor a trouvé un nouveau gardien? Oui, c'est mon ami, Ron Weasley. Celui qui aime pas les tornades? Oui. Tu envoies un colis? Oui, pour l'anniversaire de ma mère, mais j'ai oublié d'indiquer l'adresse. Et le hibou s'est envolé là-haut et refuse de redescendre. Je m'en occupe. Ah, très drôle. Ah. Viens ici. Merci pour ton aide, Harry. C'est vraiment gentil de ta part. Super. Merci de m'aider.
es fort en sortie légère. Merci. Génial. Continue, Harry. Il faut trouver un moyen de l'atteindre. Reviens. Oh, presque. Allez, viens ici. Merci de m'aider. J'ai rien contre toi. Continue, Harry. Merci. Harry. Le mot de pince. Chenapan chantant. Encore en pleine aventure. Une belle journée pour s'instruire. Succès studieux. Un esprit curieux est un esprit sain. La bibliothèque, essaie d'être poli avec Zacharias. Il y a peut-être du nouveau. Non, je dois me laver les cheveux. Je crois qu'il y a une gargouille qui parle près d'ici. Ça nous fait 5 gargouilles, non? On peut retourner voir Dean et lui dire où elles sont. En tête. Je suis contente qu'on ait le baron sanglant. Nick est ridicule. Il n'a même pas réussi à perdre toute sa tête. À ton avis, c'est quoi la réponse? Je peux jeter un coup d'œil à ton livre? Désolée, mais demande à quelqu'un.
Hey, dis... Viens, on va se moquer des gardiens. On va bien rigoler. Salut. Je veux vraiment aller après Olar la prochaine fois. Et toi, tu y vas ? On devrait trouver de la mandragore ici. N'oublie pas les cache-oreilles, Harry. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Neuville en deuxième année. Les racines de mandragore sont là. On peut les enlever maintenant. Quoi ? J'ai dit quoi ? On peut les enlever maintenant ! Pas la peine de crier ! On a la mandragore, mais il faut encore trouver les 5 Molly. Rogue ne donne jamais de devoirs faciles. Hein. Il faut les chercher dans le parc du château. Fichus espions. Ils nous observent. Ils nous observent tous. Tu vois ces Molly machin truc, Harry ? Bon, ramenons tout ça à Ernie, qu'il puisse les préparer pour le cours de potions. Qu'est-ce que Luna Lovegood regarde ? Oh, salut Ron. Tu es venu nourrir les sombrales ? Les sombrales ? Là-haut ! Luna, on a trouvé un endroit pour les entraînements de défense contre les forces du mal. Je dois d'abord nourrir le bébé sombral. Mais il est très timide. Il ne s'approchera que si les adultes viennent d'abord. D'accord. Nourrissons-les. Il faut apporter la viande tout en haut de la clairière. Wingardium Leviosa! Maintenant, soulève la viande. Repulsor ! Besoin d'aide ? Ça y est, tu es presque au sommet, Harry. Ils commencent à descendre. Ils doivent sentir le sang.
pas nous enseigner quelque chose? On va faire quelque chose de sympa, Harry? Je vais voir ce que je trouve. Allez, Harry, tu as sûrement quelque chose de bien à nous apprendre. J'ai une idée de sort. Pourquoi pas celui-là, Harry? Reducto, tu l'as utilisé pendant le tournoi des trois sorciers. Il faut viser, puis faire tourner sa baguette vers la gauche et dire Reducto. Reducto! Reducto! Regarde bien, Excellent. Bien. Quand est-ce que tu vas nous apprendre un sort vraiment utile? Bonne idée. Un sort pour t'obliger à la fermer. Ça, ce serait utile. Laisse tomber, Ron. J'ai exactement le sort qu'il faut à Zacharias. Je suis sûre que Zacharias sera ravi de t'aider à faire une démonstration. Ah, le voilà, Rictus Empra. Il faut choisir sa cible, puis faire ce mouvement avec la baguette. Rictus Empra! Hé, hey, Zacharias, mets-toi là que je montre à tout le monde comment on fait. Rictus Empra! Continue, viens jouer, Harry. Rictus Empra, fais attention! Formidable! Bravo à tous! Hé hey, j'ai même pas eu le temps de m'entraîner! Ah, désolé, Zacharias. On n'a plus le temps de s'entraîner à ce sort. Tu pourras le faire une autre fois. C'était un super cours, Harry. Hé, hey, Harry! Salut, Harry! J'ai hâte de commencer. On va apprendre un sort super cool, je parie. Oui. On va démolir quelque chose, transformer quelqu'un en furie. C'est quoi déjà ce sort qui permet de figer complètement quelqu'un? Petrificus Totalus! Bon, c'est un sort plutôt simple, mais très utile. Pour paralyser un adversaire, il faut pointer la baguette et l'agiter comme ça. Petrificus Totalus! Petrificus Totalus! Ouah, Harry, tu es le meilleur des professeurs! Merci, passons aux autres. Salut Harry, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Comme c'est le dernier cours avant Noël, tu peux nous apprendre un sort amusant? Je sais ce qu'on va faire. Tu peux chercher le Lévi-Corpus, Hermione? Bon, il faut lever sa baguette et l'agiter comme ça. Lévi-Corpus! Cho, regarde-moi. Lévi-Corpus! Continue! Attention! J'ai vu que je te croyais, Harry. Qu'est-ce que tu as? Tu es vraiment un bon prof, Harry. Duggy? McGonagall! Harry, qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer! Il faut trouver le professeur McGonagall! Viens! Les élèves ne doivent pas... Il faut que j'aille rendre visite à Violet. Phinas, vous devez aller Square Grimoire dans votre portrait. Dites-leur qu'Arthur Weasley a été grièvement amoché. Professeur, dites-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Vous souhaitez me voir, monsieur le directeur? Oui, Severus. J'ai bien peur que ça ne puisse attendre jusqu'au matin. Suivez-moi, Potter. Professeur! Maintenant. Fumsec est allé voir Molly. Nous faisons en sorte que ton père soit découvert par les gens qu'il faut. Pourquoi suis-je ici? Vous êtes ici pour apprendre l'occlumency.
la défense magique de l'esprit. Il y a une connexion entre le Seigneur des Ténèbres et vous. Vous devez apprendre à contrôler votre esprit. Il peut lire dans mes pensées? Lire, contrôler, modifier. S'il prend conscience de cette connexion, l'occlumency vous aidera à vous protéger. Je vais essayer d'entrer de force dans votre esprit. Les Gillimens! Pas mal, Potter. Ce premier essai a été moins lamentable que je ne le craignais. Il faudra beaucoup de leçons, monsieur. Il semble que vous partagiez les pensées et les émotions du Seigneur des Ténèbres. Il n'est pas souhaitable que cette situation perdure. Videz votre esprit. Éliminez toute émotion. Il sera bientôt temps de rentrer à Poudlard. Mais avant de partir, pourquoi n'irais-tu pas t'amuser avec tes amis? Quand tu voudras partir, préviens Arthur. Vous êtes occupé. Si ma maîtresse voyait cette vermine infester sa maison, ça lui briserait le cœur. Oui. Ma mère n'avait pas de cœur. Maintenant, va-t'en d'ici, créature. Créature fait ce que le maître désire. Fais ça est digne. Allez, il est temps de retourner à Poudlard. On passe notre temps à se dire au revoir. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Tu es un bon garçon, Harry. Harry, c'est Hagrid, il est de retour. Hagrid, où étiez-vous depuis tout ce temps? C'est un peu compliqué, tu vois. Que se passe-t-il, Hagrid? Je ne peux pas partir sans parler de lui à quelqu'un. Qui ça? Je lui. Ne pouvais pas le laisser. C'est mon frère, Grop. Enfin, demi-frère. Grop, je te présente une amie, Hermione. Hermione! Hey Harry, tu ne devais pas aller au bureau de Rogue pour ta leçon d'occlumencie? Merci de me le rappeler. On va regarder Pif jeter des choses sur les gens. Désolée.
Rogue m'a donné une retenue. Fichus espions. Ils nous observent. Ils nous observent tous. Il me manque 3 cartes, c'est tout. Tu ne les aurais pas ? Salut. On dit que le professeur Vector est très strict. Je ne suis pas sûre de vouloir faire de la recommencée. Vous êtes en retard, Potter. Entrez. Qu'est-ce qui s'est passé, Potter ? Je viens de réaliser... Qu'y a-t-il au département des mystères ? Quoi ? J'avais oublié que je l'avais vu quand je suis allé à l'audience. J'en ai souvent rêvé. Et Voldemort y a souvent pensé. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas ? Le département des mystères renferme beaucoup de choses, Potter. Mais peu que vous pourriez comprendre, et aucune qui vous concerne. Suis-je assez clair ? Mais... Ce cours est terminé. Salut Harry. Tout le monde t'attend dans la salle sur demande. D'accord. Je crois que l'AD est une réussite. Nous faisons tous d'énormes progrès. Je veux vraiment aller à Préola la prochaine fois. Et toi, tu y vas ? Tous tes livres viennent du chemin de traverse. Oh, je crois que j'en ai oublié un. Le mot de pince ? Je n'ai pas en chantant. Patronum! C'est Ombrage! Comment elle nous a trouvés? Peu importe! Courez! Harry? Qu'est-ce que vous attendez? Courez! Tu es fichu, Potter! Excellent, Dragon, excellent! 50 points pour Serpentard!
Je m'occupe de lui. Je suis désolée, Harry. Je suis désolée. Allez, finis la plaisanterie. Ça vous va si je rédige ma confession ? Professeur ! Pas un mot, Harry. J'ai donné l'ordre à Harry de former cette organisation. Et c'est moi le seul responsable de ses activités. Mais je crains fort de ne pas avoir l'intention de vous accompagner. Tes livres viennent du chemin de traverse. Je crois que j'en ai oublié un. Qu'est-ce qui est plus ridicule que deux poufs? Tu as vu Potter en cours de potion? Il a encore eu un zéro. Encore en pleine aventure. Œuf de dragon. Passez, ami de pauvre souffle. Désolé pour Cho. Ouais. Ce n'est pas la faute de Cho. Ils se sont servis du Veritas Serum. Fichus espions. Ils nous observent. Ils nous observent tous. Où crois-tu que Dumbledore est allé? Je ne sais pas. Il va sûrement consacrer tout son temps à l'ordre maintenant. Je veux vraiment aller à Préolard la prochaine fois. Potter. Oh non! Vite! Il faut l'aider! Ils ne doivent pas gagner! Tu te crois malin, Potter ? Mais les temps ont changé. D'abord, Dumbledore...
Salut, Colin. Est-ce que ça va? Non, je n'arrive pas à lancer les sorts que tu nous as appris. Si seulement j'y arrivais, je pourrais enfin leur montrer à cette stupide brigade inquisitoriale. Tu sais qu'ils dénoncent à Ombrage des élèves qui n'ont rien fait du tout? Ouais, je sais, Colin. Mais... Je veux les affronter comme toi, Ron et Hermione. Fred et George disent que je peux. Ils m'ont donné ces boîtes de chocolat de chez Honeydukes pour la brigade inquisitoriale. Mais je peux pas entrer dans la volière pour les envoyer. Je vais t'aider. Quoi? Vraiment? Oui. Mais pourquoi Fred et George veulent envoyer des chocolats à la brigade inquisitoriale? Ce ne sont pas vraiment des chocolats, ce sont des beuglantes très puissantes. Quand les membres de la brigade les ouvriront, ils seront poursuivis par des beuglantes qui leur crieront dessus. Fred et George ont des idées géniales. Il faut trouver un moyen d'entrer. Qui a bien pu planter tout ça? Un peu d'aide, Harry? Incendio! Tu imagines si tu tombais de là-haut? Ce serait cool, hein? Comme si tu étais un oiseau jusqu'à l'atterrissage. Enfin là, ce serait moins cool. Tu imagines leur tête quand ils recevront les beuglantes? D'accord! Tu y es? C'est bon, Colin. Ouah, tu as réussi! T'es un super bon grimpeur, Harry, vraiment! Merci! Fais-moi vite passer les boîtes avant qu'Ombrage arrive! D'accord! Wingardium Leviosa, c'est en route! Wow! Voilà! Tu l'as eu? Ouais! Merci! Fred et George m'ont dit de mettre les boîtes dans les nichoirs vides. Il y a des nichoirs en bas, dans les étages et dans les poutres. Il m'en faut une autre! Génial! Wingardium Leviosa! J'ai fait tous les nichoirs du rez-de-chaussée! Je savais que t'y arriverais! N'oublie pas ceux des étages! Wingardium Leviosa! Envoie une autre boîte, Colin. D'accord, Wingardium Leviosa. Ça y est, envoie la dernière. C'est génial, Harry. Wingardium Leviosa. Envoie une autre boîte, Colin. D'accord, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Terminé! Je ressors maintenant! Bravo, Harry! Ça donnerait une bonne leçon à ceux de la brigade! Attends! Ruzar arrive! Vite! Va à la fenêtre du dernier étage! Je ne peux pas atteindre la fenêtre! Elle est trop haute! Attention au hibou, Harry! Qu'est-ce que tu fais après les buses? Tu vas rester à Poudlard? Je l'espère! Moi, je passe mes buses l'an prochain, mais je sais pas quel aspect prendre! Et toi, tu vas choisir lesquels, Harry? Je ne veux pas parler des examens! Je suis suspendu à un mur! Ça va?
machine. Gardium, les vieux ça! J'ai un message des jumeaux Weasley. Ah? C'est quoi? Ils disent qu'ils ont caché des marécages portables dans la cour. Ils veulent qu'on les déclenche. Il y en a un là-haut. Il faut juste trouver un moyen de le faire descendre jusqu'au milieu de la cour. Allons récupérer ce marécage. Tu as entendu Nick quasi sans tête? Je suis contente qu'on ait le baron sans plan. Nick est ridicule. Super, on va pouvoir atteindre le toit. Au fait, pourquoi on doit atteindre le toit? Pour prendre le marécage. Il y a un marécage sur le toit? Ouais, un portable de Fred et Georges. C'était drôle. Tu sais, tu es assez malin, Harry. Et courageux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le toit est cassé ici. On va devoir le réparer pour que je puisse passer. Fred et Georges ont dit de mettre le marécage au milieu de la cour pour le déclencher. Il faut que tu redescendes. On doit mettre la pièce au milieu de la cour. J'imagine qu'il faut placer le marécage sur ce X. Le marécage doit être dans cette tourelle. Fais gaffe. Ça y est, pose-la ici. Maintenant, il faut le déloigner suffisamment et lancer un réducteur ou un autre milieu pour le déclencher. Mettons la caisse sur le X. J'ai un plan. J'ai réfléchi. Si nous détraquons l'horloge qui est dans la tour, Ombrage n'arrivera plus à l'heure assez court. Mais comment la détraquer? Elle est énorme. C'est simple. On déplace quelques rouages et l'horloge deviendra folle. Allez, Harry, ce plan est génial. Ok, c'est parti. Je ne peux pas aider. Je suis toujours préfète. Mais... si je vais dans la cour et que je monte la garde, je ne ferai rien de mal, pas vrai? Préviens-moi quand ce sera fini. Ron, tu es préfet, toi aussi! Il faut d'abord faire tourner l'horloge à l'envers. Nous devons déplacer tous ces rouages là-bas. Wingardium, les vieux, ça! Cool! Génial. Il y a sûrement un moyen de faire encore empirer les choses. Jette un coup d'œil en haut. Il n'y a rien d'utile là-haut? Il y a des rouages de rechange. Super! Descends-les-moi! Viens! Allez, Harry, on peut saboter l'horloge. Jette un coup d'œil en haut. On va mettre les rouages de rechange à cet endroit. Tu les as toutes! Alors descends! Wingardium, les vieux, ça! C'est trop cool! Ça va faire réfléchir Ombrage une minute ou deux. Au moins maintenant, elle y réfléchira à deux fois avant de mettre la main sur Poudlard. Viens, mon vieux. Thank you.
Léviosa! Harry! J'arrive pas à croire que le roi Ouistiti ait été nommé. On a besoin de toi. Je vous rappelle qu'il est interdit de faire passer des messages en cours. Ces annonces sont vraiment insupportables. On pense savoir comment les saboter, mais on a besoin de ton aide. D'accord. Tu nous aides à bouger ça. Puis tu montes et tu verses la potion de babillage sur le haut-parleur. Comment vas-tu ? Bonne idée, non ? Super ! Allons-y ! Voilà la potion. On va monter la garde, Harry. On veille à ce que personne ne t'interrompe. Vite ! Verse la potion dessus. Ici la grande inquisitrice ! Je suis un crapaud ! Ça marche ? On va préparer plus de potions de babillage pour saboter les autres haut-parleurs. Retrouve-nous plus tard, près d'un autre haut-parleur. À plus tard, Harry. Regardez, c'est Potter. Bonjour à toi aussi. Fichus espions. Ah, ils sont partout. Salut. Ça va? On a quoi maintenant? J'ai perdu mon agenda. Ah. Hé, Harry. Une chance que le choix pour... Weasley est notre roi. Il laisse le soif l'entrer tout droit. Pieduco! Wingardium Leviosa! Joli, mon vieux. Plaçons la caisse du marécage au milieu de la cour. Je te déconseille de faire ça. Dégage. Vous vous croyez super fort. Prends ça, Potter. Vous ne gagnerez pas. Prenez ça. Salut. J'aurais dû prendre la divination au lieu de l'arithmancie. Il n'y a pas d'haut-parleur ici? Tu peux nous aider encore? Wingardium Leviosa! Voilà la potion. On va monter la garde, Harry. Toi, Ron, va faire le guet là-bas. Moi, j'irai de ce côté. Super. Super, on se retrouve près du haut-parleur suivant. Dépêche-toi ou quelqu'un finira par découvrir qu'on casse les haut-parleurs. Il nous reste encore à trouver 4 haut-parleurs.
Cherchons les autres haut-parleurs. Tu as vu Potter en cours de potion? Il a encore eu un zéro. Tu peux nous aider? On devrait aller à la salle commune, un de ces quatre. Il y a peut-être du nouveau. Oui, j'imagine. Voilà la... Je dis enfin des choses sensées. Venez, il faut aller au cours suivant. Hein ? Succès, studieux ! Un esprit curieux est un esprit sain. Une belle journée pour s'instruire. Il n'y a pas un haut-parleur près d'ici? Tu peux nous aider en... Wingardium Leviosa! Super, on se retrouve près du haut-parleur suivant. Dépêche-toi ou quelqu'un finira par découvrir qu'on casse les haut-parleurs. Votre attention, je vous prie. Je ne serai plus mordu. Oh, peste. Succès, studieux. Vous pouvez passer, Monsieur Potter. Faribol et Fadaise. Encore en pleine aventure. On va regarder Pips jeter des choses sur les gens? Ouais, pourquoi pas? Il y a un haut-parleur là-bas. Wingardium Leviosa! Tu crois que ce que dit Potter à propos de... Tu sais qui est vrai? Moi j'ai tous les... Vite! Les élèves doivent savoir qu'encourager les haut-parleurs est tout à fait permis. Ils ont dû remarquer qu'on avait saboté les autres. Mieux vaut faire vite avec le suivant, alors. Cherchons où Fred et Georges ont caché le marécage. Il est là! Ben mon vieux, ils ne nous ont pas facilité la tâche. Fred et Georges ont dû les cacher pour que Ruzard et Malfoy ne les trouvent pas. Tu peux m'aider à atteindre le premier rebord. Il me manque trois cartes, c'est tout. Tu ne les aurais pas? Ah!
sortons ça au milieu de la cour. J'arrête pas de penser au ticket que mon père va m'acheter pour le... Il n'y a pas d'haut-parleur ici ? Ça va ? Je dois aller écrire à ma mère. J'ai reçu une lettre belle ce matin. Salut, Harry. Hey. Tu peux... Vite ! Je ne crois pas. On ne l'entendra plus. Merci, Harry. Oui, merci. Hé, je te pardonne ton attitude au bal de Noël l'an dernier. Ah, merci. À plus tard, Harry. Tu as remarqué comme les professeurs sont stressés ? S'ils veulent vraiment améliorer le système éducatif, il faudrait renvoyer chez eux tous les Gryffondors. C'est vrai, quoi. Ils sont tous dingues. Tes plus belles robes de soirée. Tu ne fais attention à rien. Tu nous as porté qu'un trimestre, un seul. Tu crois qu'on roule sur les galions? Vous êtes encore en retard, Potter. Vous êtes-vous exercé? Oui. C'est ce que nous allons voir très vite. Votre baguette, Potter. Ça suffit! Vos leçons sont terminées! Sortez! Fred et George veulent te voir au cinquième étage. Ça ne va pas, Harry? Si. Cherchons Fred et George. Tu as oublié l'anniversaire de ta mère! Tu as une idée de ce qu'elle ressent!
Fred et Georges t'attendent dans le couloir du 5e étage. Pourquoi m'ont-ils accroché ici ? Fichus espions ! Ah, ils sont partout ! Et Georges t'attendent dans le... Hé, Fred ! Georges ! Quelque chose ne va pas ? On a été dénoncés. Ombrage a appris que c'était nous qui avions fourni les petits cadeaux qu'elle a reçus. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai toujours dit que notre avenir était ailleurs que dans les performances scolaires. Je pense exactement la même chose. Tout est prêt ! Le marécage est en place ! Gardez l'œil ouvert et la tête baissée et allez dans le hall d'entrée. C'est de là que vous verrez le mieux. Le spectacle va commencer. Je crois qu'un incendio ou un reducto fera l'affaire. Reducto ! Tiens, on va avoir des ennuis. Vous serez fouettés pour ça. Je crois qu'il est l'heure de partir, Fred. Axio balai. Dommage qu'on en ait plus. C'est pas grave, prends la tête de sombrage, ça n'a pas de prix. Pourvu qu'elle ait fait un sort de disparition. Tu crois qu'elle sera vraiment chanceuse si ça les multipliera par 10? Faut choper la salle. Vous tiens. Incendio Reducto et on s'en va. Au plaisir de ne plus vous revoir. Inutile de prendre de nos nouvelles, crapaud ! Rends-lui la vie infernale, Peeves ! Prends-la pour moi. Tu devras me tuer ! Je le ferai, mais d'abord, Andoloris ! Tu es sûr que tu vas bien ? Ça va, mais Voldemort à Sirius ! Je l'ai vu. Mais, et si Voldemort voulait que tu vois ça? Pour t'attirer? Et alors? Je suis censée laisser mourir Sirius? La cheminée du bureau d'ombrage. On peut utiliser le réseau pour contacter Sirius. Venez! Vous vouliez rejoindre Dumbledore, c'est ça? Très bien. Le sortilège de Loris devrait vous délier la langue. Non, c'est illégal. Même le ministre Fudge... Dis-lui tout, Harry. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça, crois-moi. Pourquoi? Je savais que Dumbledore préparait quelque chose. Alors, c'est une arme? Montrez-la-moi. Alors, où est cette arme? Il n'y en a pas, c'est ça. Je déteste les enfants. Eh bien... Si je dois régler les derniers détails, je ferai ce qui doit être fait. Vous n'avez rien à faire ici. C'est l'affaire du ministère. Protego ! Oh, Dolores ! Répugnance hybride ! Arrêtez ! Stop ! Hermie ! Lâchez-moi, espèce d'animal !
moi, bande de monstres! Je suis la sous-secrétaire d'État de Dolores Jane Umbridge! Laissez-moi! Il faut rejoindre Sirius! Dépêchons! Merci, Grop! Mais Harry, comment comptes-tu faire le trajet jusqu'à Londres? Il faut retourner au château! C'est Malfoy. Il faut les aider. Je vais vous montrer. Regardez, c'est Potter. Laissez-les-moi aller, ça fait une sans gourde. C'est l'endroit. Il devrait être ici. Harry, et s'il n'avait jamais été ici? Et si Voldemort t'avait montré Sirius pour te piéger? Il y a ton nom là-dessus, Harry. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre. Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Veuillez! Des vachements! À l'intérieur! Donne-moi ça. Lucius Malfoy. Donne-moi la prophétie, Potter. Tu imagines vraiment que tu fais le pouvoir contre nous? Allez, donne-la-moi. Donne-la-moi. Ne t'approche pas de mon filleul. Sirius. Tu as été fabuleux, Harry. Mais maintenant, on prend la relève. Tu préfères te battre avec des enfants, Malfoy. Mais tu vas avoir affaire à moi. Ah! Maintenant. Vieille harpie. Ah.
au Dolorès. Fais-le, Harry. Elle l'a tué. Fais-le. Harry, c'était une erreur de venir ici, Tom. Les Aurores sont en route. Quand ils arriveront, je serai parti et tu seras mort. Dumbledore! Fatigué, vieil homme. Tu n'as donc rien appris, Tom? Le bien ne sera pas vaincu. Tu n'as donc rien appris, Tom ? Temps d'en finir, Tom. Je vais te tuer, Guillaume. Ta propre mort ne signifie rien pour toi. Voldemort! Harry, ne t'approche pas de là! Mais peut-être que...